Écoute bien cette histoire extraordinaire qui est la tienne. Et décide ce que tu veux en faire. Sans les eaux du Colorado, ces paysages n'existeraient pas. Le fleuve a creusé ses canyons, mais pas seulement. Il a fait la richesse de tout l'Ouest américain, libre et sauvage. Été comme hiver, le Colorado offre des lieux d'une grande beauté. Mais à force d'être surexploité, les eaux du Colorado ne parviennent plus jusqu'à la mer. Un drame. C'est aujourd'hui le seul fleuve de la planète qui se meurt avant d'atteindre son but. Un cri d'alarme que nous explique Robert Redford dans une interview exclusive. Le cerveau est un organe trop mou, obscène, inutile, avec toutes ses veines apparentes. Mais le front est si beau, si plat, tellement doux, tellement soyeux. Ce soir, soupe poireau Saint-Jacques et tarte à la tomate. Plus d'idées sur liebig.fr. Avec Liebig, on ne dîne plus, on soupe. Le moteur de la vie, c'est le lien. Tout est lié, rien ne se suffit en soi. L'eau et l'air sont inséparables, unis pour la vie et pour notre vie sur Terre. Tout est partage. Tu sais, Mickey, je ne suis pas en colère contre toi. Nous n'étions que des enfants ce temps-là. On croyait que c'était spécial, que c'était différent, un amour éternel. Ce n'était qu'une illusion, juste une illusion. Tu trouveras sûrement quelqu'un d'autre. Toutes tes filles te courent après, il paraît. Mais être beau gosse, ça suffit pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que je me mette à genoux? Désolée, Don Juan. Tu ne mourras plus aussi facilement. Aujourd'hui, je suis une femme. Demain? C'est moi qui tiens les cordons de la bourse. T'aurais dû m'en parler d'abord. C'est le prix de Newmarket demain. La troisième journée la plus chargée de l'année. On a un effectif de 18 personnes. À qui tu fais confiance avec des recettes de 200 livres? J'ai changé la combinaison. Oui, Joël, je t'écoute. Les grandes marques savent qu'un achat sur deux est impulsif. Pour séduire le consommateur, il faut attirer son attention avec des emballages attrayants et un vocabulaire choisi en fonction du sexe. Disons qu'elle dérange pas mal de personnes. Il faudrait songer à la remplacer à la tête de la LCI. J'ai dressé une liste de candidats. Je recommande particulièrement celui-là. T'es sérieuse? Il y a même des étrangers qui viennent d'un peu partout. Et l'usage des bombes, c'est loin d'être le pire. J'ai un enfant. Beau comme tous les Shelby, grâce à Dieu. Je voudrais que John puisse le voir grandir. Je veux qu'un jour on aille vivre à la campagne, au milieu des arbres, pour respirer le bon air et élever des poules. Mais pas Londres. C'est que du smog et des ennuis à n'en plus finir, Thomas. C'est tout ce que j'avais à dire.